Ancien député pour des paix, 49e législatif, Louis Amiot François, mourit dans intervention chirurgicale dans la nuit 26 pour arriver matin 27 juillet 2023 en République dominicaine. Nouvelle salarié, toute ville pour des paix, dans tristesse et désolation. Jocelyn Villiers, c'est nos nouveaux directeurs APN qui installé jeudi 27 juillet 2023. Jocelyn Villiers, remplacé dans poste Ken Lacoste, ministre économie et finance, Patrick Boisvert qui fait installation si là souhaite nouveau DG APN nan bonne chance et puis mandel collaborer à tout employé qui dans boîte là pour que yo capable fonctionner très très bien. Député Port de Paix, dans 49e législatif, lui, Amiot François, mourit dans une intervention chirurgicale dans la nuit 26 pour arriver 27 juillet 2023 en République dominicaine. Nouvelle salague, toute ville Port de Paix, dans tristesse et désolation. Jameson Petit, depuis Port de Paix, Abdi nous plus, sous dossier Sila. Bien bonnet, jeudi 27 juillet 2023, ville Port de Paix levé en deuil, Léo apprend la mort, ancien député circonscription 1, Maître Louis Amiot François, qui te fait partie 49e législatia. Maître Louis Amiot François, lui-même, qui te passé comme commissaire gouvernement dans l'année 2000, lui-même tout, qui est un avocat influent dans le Port de Paix, professeur de carrière, qui déjà formé plusieurs générations, marché postli et dilaté babaye. Diverses sources qui ont fait confiance, Stephen Coin, M. Amiot mourit pendant l'étape subie une intervention chirurgicale la caille voisin en République dominicaine. Nouvelle Lamosa permet diverses zones dans la cité Cabral-Amora en branle. Ancien député a été passé un bon bout de temps, les pas de dit tout. C'est ça qui t'a fait faire rentrer la caille voisin pour être capable de jouer soins nécessaires. Partisans avec sympathisants, familles, amis, famille, ancien parlementaire, ça a souhaité n'amener reposer dans la paix éternelle. Jebson Petit, département nord-ouest, Villeport de Paix, TAC 509. Merci, Jebson. Eh bien, qui était allégé sous l'estomac, ancien chef là. Ministère commerce et industrie lancé jeudi 27 juillet, un atelier sous capitalisation dans le cadre Clôti projet qui pote nom création centre développement entreprise. Ak entrepreneuriat nan occasion 14e édition activité ministère mette sous pied qui pote nom les jeudis de réflexion du MCI. Pour démarrer activité ça, directeur général ministère commerce et industrie James Monazar nan intervention le fait connait l'idée pour mettre un centre développement entreprise et entrepreneuriat dans ministère vini dans objectif pour faire promotion pour entrepreneuriat, il dit qui c'est facteur développement ak renforcer capacité entrepreneur yo nan ba yo bon jan moyen pour développer business yo. James Monazar te parle nan micro TAC 509 en nous koutel. Éliminer l'ITIS, j'ai campé la différence nette entre le projet de mise en place de l'existence de ce centre comme entité intrinsèque du ministère. L'idée de doter le MCI d'un centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat fait partie de trois grandes mesures adoptées à la fin des états généraux des investissements organisés par ce ministère du 12 au 14 mars 2012. La vision pour le MCI étant, avec cette structure dans le paysage haïtien, de devenir le prescripteur par excellence en matière de services publics d'appui aux entreprises. Placé sous la supervision de la direction générale, ce centre a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat comme facteur de développement tout en renforçant les capacités des entrepreneurs et porteurs de projets par des solutions se rapportant au plan financier et non financier. Pour bien saisir cette dynamique, il convient de voir la structure sous deux angles. Premièrement, le CDEE comme projet. Financé parmi les divers projets d'investissement public depuis 2014, le projet dénommé mise en place du centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat a été alimenté à travers les ressources du trésor public durant de nombreuses années d'exécution. Il convient toutefois de souligner que ce projet, comme pratiquement l'ensemble des projets d'investissement public du MCI, n'a jamais été réellement alimenté à hauteur des plans d'action soumis aux instances compétentes sur les différents exercices durant ces années
d'opérationnalisation. Une situation qui a fortement handicapé sa mise en œuvre. Deuxièmement, le CDE comme unité. Mis à part le volet d'initiative sous financement du PIB, il faut souligner le fait que le CDE a été créé dans l'objectif de perdurer au-delà de la durée de vie du projet. Cette unité a pour objectif principal d'améliorer la contribution des MPME dans la création de richesses et des emplois durables dans le pays. Ces différentes interventions tournent autour du renforcement des capacités des entrepreneurs, la promotion de l'entrepreneuriat et du développement des MPME, le développement des chaînes de valeur dans les filières les plus productives. Outre les actions réalisées avec les fonds de soutien public, le MCI, via ce dispositif, a travaillé avec plusieurs autres partenaires évoluant dans le domaine du renforcement du secteur privé dans la matérialisation d'activités de grande envergure. Dans ce registre, nous pouvons citer une liste non exhaustive d'initiatives supportées par ce centre, comme la mise en œuvre du programme de services d'aide aux entreprises et de formation avec la Banque interaméricaine de développement entre 2013 et 2017. La réalisation d'un show télévisé sur la radio-télé Guinée baptisé Financer Business en partenariat avec l'Observatoire citoyen des actions des pouvoirs publics en Haïti. La réalisation de séances de formation sur le renforcement des compétences des fournisseurs de services aux entreprises par la firme internationale Ferry. Le développement de synergies avec les institutions financières Sofides et Frix KNFP afin de renforcer l'offre de financement au MPM. La réalisation de différentes éditions des journées de l'entrepreneur, dont certaines avec LEED, PADF, Pensée, Développement international des Jardins. La conception et programmation des jeudis de réflexion du MCI avec des institutions comme le PNUD, BRH, MPCE, CNMP, pour ne citer que celle-là. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti. OCNH, dans le cadre de campagne sensibilisation contre corruption, présente un bilan positif sur un jour causerie qui était réalisé dans le département Nord-Est et le département La Tibonite sous thème dédouanement des marchandises frontalières de Wanamet d'Abong. Enjeu et défi lié à la corruption. Activité ça qui t'est déroulé dans présence diverses institutions étatiques, tant coup organisations société civile, représentants syndicats, chauffeurs et autorités locales, visait sensibiliser citoyens pour engager dans bataille contre corruption d'après directeur exécutif OCNH là qui c'est Camille Oxius qui annonçait déroulement même activité ça dans divers autres départements tant qu'au Grand Dans et Nord-Ouest. Camille Octavius Abdiplis dans micro tac 509. Pour le département du Nord-Est, nous t'es non seulement réalisé des émissions mais tout nous t'es fait une causerie et causerie a dit gagner pour thème dédouanement des marchandises au point frontalier de Wanamet d'Abon, enjeu et défi lié à la corruption. Pour qui ça, c'est un sujet que ça nous a choisi pour le département du Nord-Est, c'est parce que c'est une zone frontalière. Et dans quatre projets, ça, nous avons tête collée avec le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons essayé de poser problème au niveau local. Ça veut dire chaque côté nous faisons constat, nous estimons et gagnons problème. Eh bien, nous poser problème au niveau local, c'est que problème qui existe dans zone là et c'est sous ça pour activité à faire. Et c'est pour ça le fait que dans le département du Nord-Est, c'est un département qui est limité avec la République dominicaine. Et nous, par sans savoir, en pile marchand, toujours à plein, surtout dans la question des douanements, qui gens ont compris les marchandises, parfois qui gens ont fait payer en cob, ils n'ont pas espéré, qui gens qui sont contre les douanements. Et nous avons posé des problèmes au niveau local. Et avec ça, tu as gagné autorité locale qui te répond présent. Te gagné représentant organisation société civile qui est présent et pour activité nous te fait dans notre là te gagné 53 participants et parmi 53 participants ça yo te gagné 22 femmes 31 garçons et en pile monde te pose des questions et déjà
nous et senti, c'est une fierté, c'est avec une satisfaction parce que cause rien pas seulement rester là, mais nous avons continué échanger, garder dans quel niveau et nous capable contribuer dans et dénoncer porter plainte en façon que ce corruption pour capable participer dans et éradiquer et corruption dans le pays d'Haïti. Et pour le département de l'Artibonite, nous encore organisé plusieurs émissions et nous avons organisé une grande causerie qui a gagné pour thème la corruption dans la procédure permettant de retracer un document d'identité dans le département de l'Artibonite, un défi local. Donc là encore, nous avons estimé dans le département de l'Artibonite, c'est un département en pile monde gagne un problème document d'identité. Raison simple, département de l'Artibonite, c'est un département qui toujours gagne en pile inondation, c'est un département crise politique yo toujours gagne en pile dégâts qui fait dans yo côté yo même qu'on accouché à des incendies et le ça gagne et bureau d'état civil qui qu'on brûlé. Donc, il y a un pile qui a perdu pièce, yo, soit pendant le bureau état civil brûlé, soit pendant l'inondation passée. Et dans ce sens, nous avons jugé nécessaire pour que nous réalisions une causerie comme ça, sous procédure qui permette de nous capable de retracer un document d'identité. Toujours dans ça qui est ensemble avec dossier l'argent, ministre économie et finance Patrick Boisvert installé jeudi 27 juillet Jocelyn Villiers comme nouveau directeur APN qui remplace dans poste ça Ken Lacoste. Dans intervention ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert salue passage Ken Lacoste dans tête APN pendant environ une année et demie. Il souhaite nouveau directeur a bon succès et puis collaborer à tout employé pour accomplir tâche pi bien. Michel Patrick Boisvert en nous coûte. En celui du gouvernement, adresser mes plus sincères félicitations au nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers, pour son accession à ce poste après 19 ans de bons et loyaux services au sein de l'institution. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du nouveau directeur général sur le rôle actuel que jouent les ports dans le commerce international. En effet, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le CNUSEP, le transport maritime est essentiel pour l'économie mondiale puisque plus de 80% du commerce mondial de marchandises est réalisé par voie maritime. Toujours selon le CNUSEP, dans son rapport de 2021, le transport maritime est classé comme étant le mode de transport le plus rentable. Eu égard au rôle appelé à jouer l'APN comme institution moderne dans le développement du commerce international et se référant aux efforts récents de l'administration générale des douanes pour mieux exercer sa mission de surveillance, je voudrais exhorter la nouvelle administration à agir dans le sens du renforcement de la synergie entre l'APN et l'administration générale des douanes pour lutter contre les trafics d'armes et de munitions en vue de contribuer à un apaisement de la situation sécuritaire du pays. Monsieur le directeur général, le gouvernement vous encourage à prendre toutes les dispositions visant à accélérer le processus de modernisation de l'administration portuaire conformément aux bonnes pratiques internationales. Dans ce contexte, plus généralement, votre performance sera appréciée à la lumière des actions inscrites dans la feuille de route qui vous sera donnée, et de manière spécifique à partir d'indicateurs précis et mesurables en particulier. L'augmentation du taux de paiement numérique et la réduction drastique de la circulation de cash au sein de l'APN. Le rapatriement de tous les comptes de l'institution selon le vœu de la loi. L'instauration de meilleurs contrôles dans la gestion de l'effectif et conséquemment de la feuille de paie de l'institution. La publication périodique des rapports financiers audités de l'institution. N'a pas retourné dans la commune Okaï, mesdames, mademoiselles et messieurs, commissaire Richmond n'a problème. Blanc américain Robert mandé pour gouvernement dédommager 40 000 $ parce que Ronald Richmond t'est arrêté illégal en outade moucher les blancs. It's not what your country can do for you. Allez là, c'est campagne s'il vous plaît.
mais bon leadership, Théo va mille fois. Et pas monsieur ça qui te qu'on a le fait grève de faim devant comment Kay Biden n'a rien encore Maison Blanche non na Washington oui na Washington de même côté oui la paye gen misè pou le passer papa attends qui doit un haïtien aux États-Unis pour t'a parler des présidents les États-Unis mais nous tellement pas faire respect nous tout vieux blanc hein tout vieux blanc sentira avec tout vieux blanc sentira avec qui saute côté au sorti cadre nous le pays le peuple haïtien mais c'est quoi l'histoire on a les moucher le blanc ça passe même it's what you can do for your country c'est ça pays a qu'à faire pour vous. C'est qui ça ou même pour faire pour payer ou. Amen, alléluia, on continue. I have one question for everyone. Ah, ou gon question pour tout moun an alay. Ariel Harry. Ariel Harry. Mwen gen un seul question. Interprète là. Translator ou bien interprète. Ande à salye, s'il vous plaît. An alay. Tout moun. Premier ministre Ariel Henry. Richmond. Faut pas ici interpréter. Faut pas ici interpréter. Hein? Richmond en anglais et pas Richmond en français. Faut pas ici. Richmond interprète. Hey! Si m'en dit Richmond en anglais, frère et sœur, et mi faut mettre Richmond en français pour nous pas qu'à pousser nous en anglais tout après se traduit Ariel Henry en français en créole je ne sais pas en avancé. How come you guys are afraid to mention bon leadership Theova Milford president? This is your president. Oh my goodness. Ça c'est président oui un b ça toute la journée n'a dit m'l'a choisi à pas mon blanc vient avec un président pour nous waouh ça c'est président Théo va mille fois en avancé. I went to prison. Why are you guys afraid? Hey garçon, faut pas ici hein, s'ouvre pas l'anglais, mettre pas l'anglais, pas l'anglais. Eh, ou vin la pou traduit pour nous et puis mes kounya anglais ou parler même jablan. nous kon parle anglais parce que si que ou ka traduit c'est que ou parler n'est-ce pas? Ou pas même j'avais m'pa borisite. Mes kounya la nèg faut pas ici. Pour traduit pour nous en créole et puis kounya l'ont tombé par l'anglais tout. Qui est-ce qui a traduit pour nous? To talk about tout ça kabaout, est-ce que c'est créole ou français? Faut pas ici pas. Ou bourré crâne moi là, pas vrai? Ou troublé moi. Mais c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on a lié contre corruption arrivé peuple haïtien? Pour monsieur a traduit pour nous et puis il sou pas l'anglais tout. Theova Milford, the candidate for presidency. Candidat pour la présidence. Ça veut dire c'est bloc pour frapper au boudou, sanglet ou à parler. Oui, mon Dieu, papa, et pitié de nous de ta bonté. À la côté de ce peuple qui a fait théâtre, monsieur. Transition president. Richmond, you are in violation of a stolen American passport. You're trying to make my life miserable? Commissaire Richmond, vous possédez un passeport côté qui vous pointe dans mauvaises conditions. Vous avez empêché de vivre, passeport identifié. Vous avez
et m'aider pour commencer à petit courageux. Ou quoi blanc dit tout bagay ça? Hein, frère, c'est ça? Nous quoi blanc dit tout bagay ça, mais c'est ce qu'on dit là. On a allé bon. Et où qu'on interprète pour nous mettre sauvelé? Mettre sauvelé, nègre, on avance. So I'd appreciate my passport back. Dans l'apprécier, pour mettre mon passeport, s'il vous plaît. Mm-hmm. You want me to leave? Il pas dit s'il vous plaît. Il pas dit s'il vous plaît, nous pas qu'à mettre s'il vous plaît dans la traduction. Faut pas ici avec nous. Hein. Nous pas parler l'anglais, mais nous comprenons. Haiti, your government needs to buy my plane ticket. Vous pouvez me quitter Haïti, gouvernement haïtien non, que vous payez ticket avion. That's how you deport people. C'est comme ça vous déportez au monde. Ah, ça veut dire la riche montée des poteaux. Oui, un riche monte des portes blanc. Et puis blanc en Haïti a bay conférence pour la presse. Un riche monte, c'est monsieur. Non, riche monte, trip sous nous. Non, riche monte, trip sous nous, papa ici. Riche monte, trip sous nous, commissaire. Quand on peut souffrir, fou là, un des portes blanc. Et puis blanc là, il n'a pas payé ticket, il n'a pas fini. Mettez-le dans l'avion. Hein? Oh, il a allé. Et pas comme ça, on déporte le monde. So Richmond, it's time to put your big boy pants on. Quand y a Richmond, faut vous commencer à mettre garçon sous. Because I want to know who give the order to have me arrested. Vous êtes qui monde qui dépasse l'ordre pour arrêter. It's funny how no one in the Haitian government can touch Izzo, but you can play with me. C'est un black côté qui pas un monde le gouvernement. L'État haïtien qui a touché Izzo avec l'autre gros bandit, mais moi-même, un simple citoyen, ou qui a mis même sous moi à l'aise. Non. Ou à blaguer, ou à blaguer. Ou là, ou retourner sous tes garçons, on avance. So Izzo, pack your suitcase, Sherry, and come to Okai. Me and you gonna square dance at Fête Jilly. Izzo, dans mes côtés qui apparaît dans ce sud-là, au cas où on va fêter, danser, dans la fête gelée. Oui. Oui. Comment on l'a invité, Izzo, pour venir danser dans la fête gelée? Mais pourquoi? And Ariel Harry, I have your replacement. Theova Milford is your replacement. So pack your... Theova Milford, c'est remplacement. Ariel Henry. Bien traduit, papa, ici. Elle est comme c'est bon. Ah bon? Things and I'm back. President, premier ministre. Faut pas ici, nègre. Why president? Why president? Why président? Non, président. Wa bouleversé nan nan traduction. Faut pas ici avec moi. Hein? Ah, OK. Theova Milford, c'est remplacement Ariel Henry le peuple. Immédiatement Theova fin remplacer Ariel la come back nan pays ya. Come back in the country. You understand? Yes. Ariel Henry. Moi gen un monde capable de replacer. Noni, ou Gawela, c'est Theova Milford. C'est lui-même qui est président Haïti après. On dirait haïtien, puis américain, qui est blanc. Moi, langue, je suis un loup pour créole. Mais c'est quoi l'histoire? Ça veut dire que ramasser tout ça en procédé, valise-ou, et puis à faire ou tout. All journalists. I want you to contact him. Let him speak. He's willing to speak, but you guys don't want to talk about it. Why is it you don't want to talk about it? You tout, don't? Tout journaliste, s'il vous plaît, le temps à mes côtés que ou bail candidat Theova
mais il faut une chance pour parler, pour adresser la nation, pour expliquer pourquoi laisser un candidat, yo carrément voter pour arriver guider la nation. We have a dream for Haiti. Nous avons un rêve pour Haïti. Non, nous toujours un rêve, pas nous. Même nous c'est chien qu'on fait rêve. L'autre pays a un rêve, mais nous même nous pas fait rêve, ok? Nous avons un rêve pour Haïti là. Est-ce qu'on a écouté corruption arrivé, messieurs? Qui rêve est là? Bon leadership. Good leadership. We lead by action. Faut pas ici, hein? Kounya blanc fin parle anglais ou parle anglais. Ou parle anglais fait deux, bon, ça nous comprenne. Interprète la faut pas ici. Et puis, gars, c'est sous translate. Mais gars, c'est sous translate. Et puis, quand il y a là-bas, là, pour qu'on finisse par être. Et puis, il tout pousse nous en anglais encore. Faut pas ici avec nous. Not all that. Bak, 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 bak. Oh. Tu as canal, le blanc. Bak, 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 bak. Ah! What does that mean? Pop, 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 pop. How do you say kana en anglais? Kounya la, m'bral wè kon m'bral tradu. Pop, 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 pop. Vous traduit? Like Richmond and Ariel Harry, you all are pop, 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 pop. Ok, ils vont dire pop, 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 ok. M'bral tradu, pas vrai garçon. Faut dire nous, ça, ça veut dire en créole. Pop, 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 pop. Let's arrest an American. Nous sommes un groupe de monde, un candidat qui prêt pour travailler honnêtement. Et toute blague finie, nous venons avec une situation côté que nous avons une solution. Ok, Dandy, la nation besoin un président qui est fidèle. Ou quoi c'est ça, Blanc de dit? A raison, mettre les nettes. Hey! Why? Mais c'est pas traduit. Pop, 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 pop. I love my country. Fini traduction. This group of people that are beside me right now. Ah, pas, mais c'est pas traduit là pour nous, peuple haïtien. Hein? Is the new movement. For change. Moun ki sita bon kote m la, jodi a, ou ka wè yo, yo se yon groupe de moun ki la ki pwè pou bay tout sa ou kapab comme leader pou aide Haïti fè un changement. Mm-hmm. What do you Haitians have to lose? What do you have to lose to give this guy a chance? I went to prison for this guy. Almost deported. For this guy. So what's that tell you? Why are they scared of him? Qui ça nous même haïtien qui fier de pays nous gien pour perdre? Qui ça nous peur pour ca bail Théova mille fois une chance pour ca parler pour tendre pour voter pour lui même li ca guider nous pour faire un changement pour la nation. Et changer. Regardez, messieurs, ça que les messieurs changement. Alors, tracas pour la vécaïté, messieurs. Do you think that is good for Wakale movement to continue to do the action? For me, for the movement, this is what I want right now. And Bill News, shock you every day. I want to be on the news. I want tout moun. Force pep. I need force pep. I need force pep. Force pep. Yes, yes. You understand? Hein? You understand? People. Donc, blanc vle force pep. Force pep. C'est ça. I need the power of the people. Yeah. The power of the people. Yes, oui. Peuple a ge pouvoir. You understand? Peuple a ge pouvoir. Alléluia, gué bon Dieu. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, c'est seul dans le pays d'Haïti où on joint un genre de petite conversation sérieuse ensemble avec les étrangers. Ou pas joindre dans l'autre pays encore. Nouveau directeur APN qui c'est
Jocelyn Villers, remercie autorité dans le gouvernement pour confiance yo placé dans lui pour le gérer pour ça. Ce qu'on est, hein? Li mande tout cadre dans boîte l'état pour collaborer avec lui dans avancement institution. Entendez-le dans le micro TAC 509. C'est avec un esprit d'humilité que je vous salue en ce moment qui scelle la fin du règne de l'arrogance et de l'arbitraire dans le secteur portuaire. Qu'il me soit permis, Monsieur le ministre des Finances, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements au Premier ministre, Dr. Ariel Henry, de la confiance placée en mes capacités en m'élevant au rang de directeur général dans ce contexte particulier. Je mesure avec sérénité l'ampleur de cette responsabilité et je m'engage, en tant que capitaine, à travailler en synergie, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, avec chacun des membres de l'équipage, pour qu'Haïti puisse enfin tirer le maximum de bénéfices possibles de son secteur maritime. Je suis fermement convaincu qu'il est crucial aujourd'hui de recadrer la mission de l'autorité portuaire nationale et aussi développer une collaboration parfaite avec tous nos partenaires, tant du secteur public que du secteur privé, pour l'atteinte de cet objectif. Nous devons donc porter un intérêt particulier au renforcement des infrastructures portuaires, car la compétitivité aujourd'hui, surtout à long terme, implique l'amélioration et l'efficacité des opérations et l'optimisation et l'utilisation des espaces disponibles et aussi de la modernisation de nos engins de manutention. Il nous faut pour cela développer, Monsieur le ministre, une culture d'excellence axée sur le développement des compétences, axée sur la spécialisation et surtout l'inclusion. Le secteur portuaire devra, dans un bref délai, être doté de plans de développement, de codes portuaires, de procédures d'opération et de vraies structures de contrôle et de supervision. L'APN, Monsieur le ministre, dans ses fonctions de police portuaire et d'autorité désignée dans le cadre de l'application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le Code ASIS, doit travailler de pair avec d'autres institutions impliquées dans la sécurité du pays, pour le maintien en permanence de niveaux de sûreté et de sécurité appropriés dans les plans d'eau et dans les terres pleines. Dans toutes nos installations portuaires, et je répète, dans toutes nos installations portuaires, que l'installation soit publique ou privée, elle doit aussi surveiller d'autres dimensions des opérations nécessaires à la sécurité du pays qui ne sont pas aujourd'hui contrôlées. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, les défis sont énormes. Mais je compte sur le soutien et la collaboration de chacun et de chacune.